à tous, asseyez-vous s'il vous plaît. On va commencer par le chapitre 1, et Miss Pinguette serait peut-être bien de m'écouter. Hein. Donc chapitre 1, l'eau est un corps pur constitué de molécules. En 1827, alors qu'il observe au microscope des graines de pollen en suspension dans l'eau, Robert Brown note la présence de pollen, de petites particules. Alors Nora, on est dans la lune ? Non, c'est bon. C'est trop bizarre, je viens d'avoir des flashs. C'est bon, arrête, tu délires. Antonin ? Oh non. J'ai oublié mon cahier de physique. Faut absolument que j'y retourne ce soir, sinon je vais me faire disputer. Mais comment tu vas faire ? Le collège, il est fermé à cette heure-ci. Ah, tu vois la fenêtre qui ferme pas ? Ok, je viens avec toi. Mais c'était comme dans mon rêve. Viens, faut qu'on aille voir. Pour retransformer. Des miroirs ? Je sais où il y en a. Ok. Donc toi, tu te mets au fond de ma pièce et moi, je me mets exactement en face de toi. Faut que le zombie soit entre nous deux. Comme ça, les deux reflets vont se confondre et ils devraient redevenir lumineux. Oui. 1, 2. Monsieur Maurice, vous allez bien ? Je suis désolé. Le parfum, la créature, ce n'était pas vraiment moi. Je ne pensais pas qu'en créant cet élixir, je me transformerais. Merci. Thank you.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, contrôle surprise sur les parfums.